Plop les gens. Alors, on en était à vouloir étudier les deux clôtures de tombe et croix en pierre qui sont ici. D'ailleurs, je devrais demander à mon zombie de faire les différents types. Comme ça, ça me donnera plus de trucs à étudier, en fait. Pendant que j'y pense, à l'instant. Utiliser le gâteau pour ça, pour que j'ai plus de bleu de cette manière. Décomposer les déchets agricoles en poudre pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais pour tout ça, il faut d'abord faire la prière. Sinon, on avait avancé sur le laser spirituel du portail enfin activer le portail. En gros, l'astrologue nous a dit des trucs. Je suis con, je voulais voir le baron des gitans, et puis vu que j'ai parlé au pêcheur, j'ai totalement oublié d'aller le voir. C'est pas grave, c'est pas quelqu'un qui m'embête, enfin il est loin, mais au moins il est là tous les jours. Cette caisse et tout, je sais plus quel jour on est le jour de l'évêque, oui, y a pas grand chose. Le fermier, c'était... Ouais. Donc, l'astrologue, là, il est bloqué de chez bloqué. À moins que je lui ramène sa fille. Peut-être. Son hypothétique fille. Parce que... ça, c'est peut-être qu'en lui ramenant la fille, ça va me donner 20 de bonheur et je pourrais faire la suite. Mais sinon, j'ai le Necronomicon pour serpent. J'ai les 7 caisses, normalement, c'est bon. J'ai Mademoiselle Charme, non, j'ai pas. Pour le fermier qui laisse la fille. Du coup, c'est l'histoire qui n'a pas les missions, là. J'ai oublié son nom. Avec le meunier. Donc voilà. J'en suis là. On y va. On commence par aller à l'église. On peut peut-être juste essayer de faire une tombe de chaque. J'ai pas ça, c'est dommage. Je peux pas en avoir. Pas si c'est différent. Ah non, ça c'est l'inverse. Ça c'est... Ok, X. À la fin, oui, je supprime ça. Ah! Et mince. Voilà. On recommence. Je veux... Je ne vois pas le menu... Ah, ça a bugué. C'est pas grave. Prendre. Toi tu veux. Hein? Il te manque quoi toi? Il te manque encore des clous? Ah oui, il manque encore des clous. Bah toi tu vas faire ça. Et toi tu veux faire masse de clous. Hein. Des clous, on t'a dit. Ça je pose. Si je pose la pierre que j'ai en trop,
Et avec tout ça, j'ai perdu toute la fin d'après-midi. Espérons que j'ai le temps de faire le sermon. C'est pas gagné. Ou comment il me donne la foi? Le reste, je m'en fiche. Pour gagner 3 centimes. Voilà, j'ai de la chance. Notre église est merveilleuse. Et on prie. Et les dons sont les bienvenus. Toujours. Toujours les dons sont les bienvenus. Si ça là, ça m'a rapporté une pièce, ça m'a monté le compte de pièces d'argent. Voilà. Alors, on va commencer par broyer les déchets agricoles. Ce serait pas des trucs de vie, ça ? Poudre de santé ! Oui ! Je sais donc produire des zombies en quasi limité. Ah, ça fait du bien. Donc non, d'abord on mange le gâteau. On étudie ça. Oh oui, on étudie. Ça. Oh oui. 30 à chaque fois, c'est bien. Ah, ça donne du bleu forcément. Ça doit être grâce au gâteau justement. Ah, mais il donne qu'un de bleu. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas vraiment le temps de faire l'aller-retour. Ça se décompose. Ouais. Alors non. Quoique. Non. Le champ, on l'étudiera plus tard. Bim 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 bim. Un peu, même si c'est du bleu, je pense que c'est pas beaucoup. Donc ça ne marche plus, bien évidemment. Et il en faut 10. Ah ouais. Alors, truc visqueux de mort ou alcool de truc visqueux. Truc visqueux de mort. Ah non, ça le décompose. Ok. C'est bien pour l'étudier. Ok. Et là, si je regarde ici, j'ai plus le deuxième truc bleu à gauche. Ok. Là, c'est bien marqué décomposer cet objet fournira blablabla. Donc. Les trucs visqueux, on les pose ici. La poudre de santé aussi. Ça, on le pose là. Ça aussi. Et ça aussi. Ouais, du coup, maintenant, vu que la poudre de santé, c'était... Elle est vraiment facile à fabriquer. À partir juste de déchets agricoles. C'est vraiment la foi qui me limite en nombre de zombies.
Bon, c'était déjà un peu le cas avant parce que je pouvais en acheter, mais. C'est bien ça hein, que je dise pas de bêtises. Je suis zombie. Poudre de santé sans. Ouais, ouais. Ok. Je vais laisser le gâteau ici. Vu qu'il est là pour les études. Mademoiselle Charme, c'était quoi déjà? J'ai oublié, j'ai vu ça tout à l'heure, mais le fermier, donc non. Le fermier, ça veut dire le meunier. Je vais peut-être améliorer le cimetière quand même. Parce que je suis peut-être pas le seul à ne plus m'en souvenir. Là, c'est le nombre maximum de crânes que peut me rapporter cette tombe. Tant que c'est en rouge, c'est en négatif et on remplit d'abord cela. Les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais les lauriers donc, sont ramenés par la pierre tombale et la clôture. Et après, chaque laurier remplit un niveau en face du crâne. Si j'ai trop de lauriers, ça ne rapporte pas de crâne laurier, c'est perdu par rapport à la qualité du corps. Si j'ai pas assez, comme ici, de 1, bah ça fait qu'il y a un crâne qui est perdu en qualité globale du cimetière. Voilà, j'espère que j'ai été clair. De toute façon, sinon vous pouvez reprendre les vidéos 1, 2, par là-bas. Peut-être même la 3. Par contre, quand je vois que j'ai du moins 3 des fois, je fais... J'aurais pas dû enterrer ça. Bref. Ça a tout de suite une autre tête par rapport à en face. Est-ce que j'améliore ça ici? D'un côté oui, d'un côté j'ai la flemme. J'ai la flemme quoi. Alors, on pose ça. J'aurais peut-être pu mettre les oignons aussi. Si, du coup, j'ai 70 de foie. Avec tout ça. Je peux peut-être améliorer quand même quelque chose. Enfin, débloquer une... Enfin, pas de foie, 70 de bleu. Je peux peut-être débloquer quelque chose. Exactement.
Je pose ça. Voilà. Je vais poser le fer. Et après, on va voir les raisins. Faudrait peut-être que j'aille voir si le... si la mine fonctionne à plein régime. Mais flemme. Forcément plus de vignes, même si les argents sont intéressantes. Alors toi t'as fini. J'ai oublié de poser la pierre polie. Non. Les déchets agricoles. Oula. Non, en fait, je prends tout. Et je vais en descendre au 100. Donc là, il faut 198. Voilà, parfait. Je vais en descendre 100. Ça fait beaucoup à mélanger à la main. Mais ça fera beaucoup de zombies aussi. Mais je pense que c'est pas que pour ça. J'espère, en tout cas. C'est dommage. C'est dommage, mais ce n'est pas bien grave. Pourquoi j'ai l'impression d'aller à 2 heures? Voilà, parce que je me faisais toujours pousser par l'autre zombie. Faudrait que je fasse d'autres trucs là. Alors. Oui, oui. Ici, je ne peux pas poser, j'ai déjà plus de place. Bah, tous les trucs visqueux, est-ce qu'ils peuvent aller de l'autre côté ou... j'aurai plus de place aussi. Plus beaucoup en tout cas. Bah, tant pis, on va les laisser là. Si je crois que les 4 là, je peux en faire quelque chose. Les 5 ici aussi. C'est quoi? Santé ou accélération? Santé. Non. Santé, on va y faire ici. Et l'accélération. Pourquoi pas aussi au final. Voilà. Et du coup, je n'ai pas la place pour la solution de santé. C'est ça. Ni la solution d'accélération. Ah bah, c'était pas très intelligent, en fait. Hein.
mélange la poudre toxique avec... Le problème, c'est que je sais plus ce que j'ai fait déjà dans le dernier épisode. Ça fait quoi? Ah, ça doit faire une bonne heure, quoi, mais... IRL. Mais quand même... J'ai 4 trucs, je vais faire la poudre de vie avec tout ce que j'ai. C'est pas grave, au pire je le referai plus tard. Donc poudre de vie et accélération, pas assez d'XP, d'énergie. Solution, truc visqueux de santé, évidemment. Poudre de vie et solution de santé d'ailleurs. Potion de soin. Potion de soin, ça peut être intéressant. Poudre de vie et et solution de ralentissement. Alcool de truc visqueux, poudre de vie et... Allez, où ? Et solution d'ordre. Huile de trucs visqueux. Ça je pose, ça je pose. Ça se décompose qu'en liquide. Très bien. Non. Ça nous fait de l'huile normalement. Ça nous fait de l'huile. Mais de la vraie huile, pas de l'huile humaine. De l'huile de... J'en ai qu'un. On va le mettre là. Poser notre surplus. On peut prendre ça. Pas beaucoup de clous. Du coup, tu vas me fabriquer des clous. Ouais. J'aurais peut-être pu poser ça ici depuis un bout de temps, mais je presserai plus tard. Parlons affaires. Les ventes ont été conclues. Nous contrôlons une part respectable du marché. Les fondations pour notre plan sont en place. Cependant, nous devons encore nous assurer le soutien du Conseil royal. Et c'est là, mon ami, que je vais encore devoir compter sur vous. Mais encore... Oh! Ah non, il les achète. Évidemment. Évidemment. Plan final. En gros, faut que je lui donne ça pour le plan final. Ok. Très bien. En plus... Oh,
femme, c'était hier. Au pire, c'est pas très grave. Dossier fait quelques clous de plus encore. Hop, je pose ça là. Ouais, il faut que je prenne une. Faut que je prenne un coffre de plus au moins. Ça peut être bien remettre là-haut. Faut que je ramène les ressources pour là-haut. Parce que quand j'aurai le... Comment ça s'appelle ? Quand j'aurai la mine de pierre, ça sera... Enfin, un seul coup de pierre ne suffira pas. Une tour de potier, très bien. Oui, le mal, c'est ici. Voilà. Premier de la liste, le seul que je lis pas. Ok. Garder le 18 avec moi parce que le 18% parce que c'est quand même vachement plus pratique. Je vais quand même poser les pierres tombales. C'est le cas. C'est le cas. Boum, 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 boum. Ah.
peut déjà me ramener le stock, ça sera pas mal. Vu que je l'ai plus ou moins vidé exprès le stock. Enfin, en sachant que j'en avais un libre. Ah oui, lui, il s'ennuie en fait. Il arrive à avoir des moments où il s'ennuie. Très bien. Et ça se trouve, ça ne sera pas indispensable. Par contre, un truc que je me dis que j'aurais vraiment dû faire, c'est dépenser mes 70 de bleu. Avec ce bon coup de pioche à côté des oreilles, ce doux son de pioche. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Beaucoup de choses, évidemment. L'étagère mortuaire. Ah, peut-être que ça me permettra d'avoir des trucs dans la... Une étagère dans la salle de... dans la morgue. Tablette d'alchimie 2, cube à distiller. En fait, d'un côté, ça m'intéresse beaucoup. L'anatomie et l'alchimie en ce moment. De l'autre... paraît tellement pas principal, alors que ça doit l'être, hein, mais au pire je peux toujours m'en sortir en achetant des trucs, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, l'amélioration de la beauté de l'église, c'est toujours intéressant. La station de prière, ok. Et du cimetière. Donc, c'est toujours intéressant, surtout parce que je dois commencer à en avoir beaucoup là. Enfin, je dois commencer à bien améliorer la qualité. Étagère à livres, bureau 2. Bureau 2, ça peut toujours être intéressant. Ça me débloque la production de papier en plus. Pour 20, c'est faisable. C'est faisable. Ça, je le ferai le jour où j'ai du houblon. Ça peut être intéressant maintenant que je sais comment ça marche, mais... Je dirais que je peux faire l'alcool fort. Ouais, je peux le déverrouiller, alors que je n'ai pas fait la digestion. Il y a un petit bug encore là, je pense que la mise à jour, là... Non, mauvaise gâchette... par contre, réseau de lanterne, ça doit très certainement être pour de la beauté. Emplacement pour la lanterne, pareil. Pompier. Ah oh, oui, ça c'est très bien. Et j'allais dire, il va falloir des pièces en acier pour réparer le moulin. Avec un fourneau 3. Donc prendre ces deux trucs là, ça augmente encore drastiquement mon fer, logiquement. Bon, ça ne me donne toujours pas de bleu infini, facile à produire, mais ça augmente mon 3. Ça peut être pas mal. Établi à bois 2, pour avoir des constructions en bois. Je sais que il me semble que c'est les bancs de l'église qui en ont besoin. Donc, dans tous les cas, ça améliore pour l'église après. Si je prends le marbre, ça peut être bien, ça me donne la carrière de marbre, mais ça c'est toujours de la pierre et ça c'est du marbre. Donc déjà là, j'ai encore des trucs de pierre à débloquer avant de débloquer ceux en marbre qui sont super chers en bleu, donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Ça me paraît pas mal ça. 5, 6, 7, 8. Ah, je peux pas prendre ça. Mais après, cette imprimerie, ça me paraît bien, quoi. Donc ça me fait dépenser 30. Ah, donc ça fait qu'il me reste 40. Mais avec 40, je peux pas faire les deux. Pire, c'est pas grave, je peux faire... talent d'incinérateur, parce que là
le fait d'avoir utilisé beaucoup de charbon, ça m'a assez diminué, enfin de charbon pour faire de l'acier, ça m'a pas mal diminué mon stock de charbon par rapport au fer. Donc le pompier me paraît intéressant. Le fourneau 3, pourquoi pas, mais moins. Je vais faire ça. Règle d'incinération. Inspiration de l'écrivain. Production de papier. Pour faire du papier propre, une autre recette, du papier mâché. Ouais. Et une simple presse d'imprimerie. J'ai pas l'imprimerie complexe ni dramaturge, ce qui me bloque un petit peu pour mon envie de faire des livres. Et là, je reprends dans le forgeage les armes en acier. Comme ça, je pourrais être mieux équipé la prochaine fois que je vais aller visiter les sous-sols. Ouais, donc en fait, peut-être que juste un zombie pourrait suffire aussi pour le marbre, je suppose. Un zombie, combien? T'es un zombie 5, c'est très bien. Tu es exactement au bon endroit. Est-ce qu'il y a un autre zombie qui est à 5? Je ne sais plus. 12. 10. Je me souviens que ceux du fer, je ne peux pas les savoir leur niveau comme ça. 5. Tu sais quoi, 5. Tu es le nouveau porteur qui va faire le bois. Et comme ça, je ne toucherai plus au porteur de bois. Je sais. Enfin, au porteur, je veux dire. Derrière moi l'autre, c'est abusé. 12. Tu travailles beaucoup trop bien pour juste me transporter du bois. Et encore, quand je dis beaucoup trop bien, t'as à peine ramené 4 bûches. Voilà. Ici. Je vais la ramener tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, du bois ou du fer et du charbon? Je vote pour fer et charbon. Là, t'as presque fait un quart de bûche, c'est-à-dire pas grand-chose. Si, j'ai quand même besoin, enfin besoin, envie de vérifier à quel niveau il est, celui de droite. La cadence, est-ce qu'il va suivre le tailleur de pierre? Donc toi tu es à 10, très bien. Attends, toi tu étais à combien? À 10 aussi. Et toi à 12. En vrai,
pour le peu que c'est, j'ai quand même besoin de plus de... Enfin, plus, pas vraiment. J'aime bien avoir plus de fer. Entre envie et besoin, ce sont deux choses différentes, nous sommes d'accord. Mais j'ai des stocks remplis, quoi qu'il arrive, de tout. Alors... ça, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai totalement oublié Serpent, j'ai son Necronomicon. Totalement oublié. Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg là-dessus. J'ai quand même le temps, je ne pense pas, mais on va vérifier. Je l'ai pas sur moi, je parie. Ouais, je l'ai posé ici. Ah, j'ai totalement oublié. Maintenant, le jour est passé, donc il est plus là. Ou s'il est encore là, il est en train de marcher pour partir. Ah, je suis un peu bête, un peu beaucoup. Bref, par contre, je peux faire des trucs avec tout ça. Faut que je me ramène beaucoup de planches, beaucoup de pièces de fer simples, beaucoup de clous, pas mal de dos aussi. Et que je regarde ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai pas déjà fait. Les clous. Ouais, j'en ai une centaine d'avance. Moi, je me suis trompé. Voilà, un stack complet. Là, il n'y a pas de planche ni de dos. Simple, elles sont pas ici non plus. Elles sont là. Et là, j'ai des planches. Et là, j'ai des dos. Du coup, je suppose qu'ici, j'avais vraiment rien. Bon, on est d'accord. Faudrait que j'aille voir le baron gitan aussi. Oui, alors qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une table d'études. Établi d'alchimie, broyeur à minge, alchimique, broyeur alchimique. Ça, c'est râtelier d'alchimie et établi de parchemin. Bureau. Établi d'église et mélangeur à main. Voilà. J'ai quand même pas mal de choses. Donc, mélangeur à main, c'est bon. Table d'études et établi d'alchimie, c'était bien cela. Établi d'église, bureau, non. Super. Table d'études, oui. Et établi d'alchimie. C'est pas grave, je les ai quand même. On a dit table d'études, établi d'alchimie. Broyeur alchimique, c'est celui qui est tout en haut à gauche qu'on a déjà fait. Établi d'église, c'est celui en bas. Râtelier d'alchimie, c'est le râtelier tout à gauche. Le bureau, j'ai. Établi d'église, oui. Bureau 2, je ne sais pas faire des lentilles optiques. Étagère à parchemin, j'ai. Étagère à livres, j'ai pas. Ça peut se tourner.
Je vais le mettre là. Voilà. Étagère à livres. Les presses d'imprimerie. Ah, ça passerait pas de toute façon. Ça va pas passer là-haut. J'aurais dû le mettre là, l'étagère à livres. Ouais. Le plus près possible de l'église. Retirer. D'accord, j'ai cru que ça venait vers moi et que ça avait lagué. Non, c'est bon. Du coup, c'est bureau 2 que j'ai pas fait et je crois que ça sera tout en fait. Donc malgré ce que je pensais, j'ai à peu près tout fait au sous-sol. Je me suis rattrapé petit à petit. Alors. Dans quel sens c'est le mieux comme ça? Des deux côtés, c'est quel côté que tu serais réellement? Je vais la mettre comme ça. Alors l'étagère livre, on va remettre tout ce qui est vraiment en rapport avec l'église là-dedans. Parce que ça c'est l'étagère à livre, là-bas c'était l'étagère de parchemin. Voilà. Donc ce qui est vraiment en rapport avec l'église, les bougies, la foule. Ouais, non, pas vraiment. Les prières, c'est déjà pas mal. La foi, c'est un peu embêtant parce que du coup, il sera un peu éloigné de. Je pourrais pas poser la foi et le. Ah, prospectus. Oh, on peut faire des prospectus avec de l'encre maintenant. Directement. Et pas du stylo et encre. Mais je n'ai pas ça sur moi, évidemment, je ne sais pas en produire. Et la dernière fois que j'en ai eu besoin, je l'ai transformé en stylo et encre. Donc voilà, pour faire 5 de prospectus avant, c'était stylo et encre, une feuille. Et maintenant, c'est 2 feuilles pour faire 10 prospectus et de l'encre. Donc il n'y a plus besoin de la plume. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ça m'arrange. Du coup, je vais reposer toutes les ressources que j'ai en trop. Je pourrais mettre de l'engrais ici, c'est vrai. Ah, le papier mâché, c'est vrai. Mais ça sert à quoi le papier mâché? Faudrait que j'en fasse 20 de blé et un seau d'eau. Mais avant, nous allons quand même. Oui, c'est bon. Le zombie ne travaille pas. Nous allons quand même reposer tout ça. Tac, tac, tac et tac. J'ai oublié de poser tout ce que je voulais poser dans l'étagère d'église. La nouvelle étagère d'église. C'est un peu dommage parce que du coup elle est pas orientée comme les autres. Pas grave. Étagère livre. Donc on a dit seau d'eau et 20 blé. Sauf qu'on a dit aussi qu'il fallait voir le baron gitan. Donc on va. Non, on va y aller demain. On va y aller demain parce que c'est le jour de l'astrologue, donc ça sert à rien d'aller deux fois d'affilée à l'autre bout du monde. Enfin, c'est trop tard. Ça sert parce que j'aurais pu commencer à faire sa mission. Mais c'est trop tard. Du coup, je fais quoi? Je fais du papier mâché.
c'était 20. C'était 20, je crois. J'espère, je croise les doigts. Ouais. Putain, le houblon, quoi. Putain, j'aimerais bien faire de la bière au moins, même si j'ai pas de steak niveau max. C'était où? C'était là. 20, j'ai bien fait de me rattraper. Papier mâché. Alors, est-ce que lui veut pas de papier mâché? Est-ce que lui il veut... Ça, il en veut 4, ouais. Il veut pas du papier mâché, il est ici. Ouais. Donc au-dessus des ailes de chauve-souris. Toi, certainement pas. Ah oui, tu peux faire par rapport à l'huile aussi. Le papier mâché, je peux peut-être étudier. Non, même pas. Le papier mâché. Mais à quoi sert-il ? Je ne sais pas. Je ne vois aucune utilité au papier mâché, malgré que je l'ai fait. Des fois, ça se débloque comme ça. Là non plus. Boum, boum, pim, boum. Là, j'avais essayé de ce côté. Oui. Enfin, je ne sais plus si j'avais essayé, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas non plus. Le papier mâché, est-ce que tu peux le... mélanger à la main? Non. Bon, bah, je peux faire du papier mâché pour pas grand chose. C'est quoi qui... C'est quelle technologie qui m'a donné ça déjà? C'est ici. C'est... Hey, j'ai quand même une recette de papier propre. Je suis allé trop vite. J'ai qu'une seule recette de papier propre, c'est celle-ci. Et ici, je ne peux faire que des prospectus, pas transformer en papier propre. C'est la presse typographique. Oula! Mais pourquoi j'ai pas de presse typographique, moi? Se déverrouille où la pièce, la presse typographique? Ça se trouve elle est ici, c'est pour ça. Nous allons voir. Pressoir, mal, alambic, tonneau de vinification, non. Hop. Presse typographique. Là, je l'ai vu. Ok. Est-ce qu'on l'a fait ici ou est-ce qu'on l'a fait là-haut à côté des mâles? J'ai envie de dire que l'un ou l'autre. J'aurais du mal à mettre autre chose. Je vais la mettre là. Voilà. Ça s'éclaire un petit peu. Je comprends mieux. Et je peux faire du papier propre à partir de peinture blanche et papier mâché. Problème, je ne connais pas les peintures. Mais, solution, je sais à quoi sert le papier mâché. Du coup, je vais en faire un deuxième saut.
deuxième saut, non. Parler au baron gitan et je ne l'ai pas fait. Non, si, juste pour poser le l'engrais, mais je ne fais pas le raisin, sinon je n'ai pas le temps. Et j'ai oublié de poser le papier mâché, c'est pas grave. Fallait que je prenne les papiers pour aller en ville et j'aurais tellement dû aller voir le baron gitan hier. Enfin, le... hier dans le jeu. Boum. C'est bien d'avoir mis trois clampins qui font juste des allers-retours dans le village, mais. Pas grand chose quoi. Ça fait un peu de vie, mais en même temps pas beaucoup vu qu'on peut pas leur parler vu qu'ils font rien. Bim. Bim. L'interroger à propos d'Esmeralda. Pourriez-vous me parler de votre sœur Esmeralda? Où se trouve-t-elle à présent? Vous êtes ami avec l'inquisiteur, je veux bien vous parler de ma sœur, mais à une condition. Les gardes de l'inquisiteur ont attrapé une de nos amies. Elle est toujours dans l'attente de son procès, donc il y a encore une chance pour qu'elle soit libérée. Demandez à votre ami, le seigneur inquisiteur, de la libérer. Je vous dirai ensuite tout ce que je sais. Mon ami, mais je verrai ce que je peux faire. Ah. Surtout que l'inquisiteur, c'est la veille du jour de l'astrologue, donc en fait j'avais une semaine pour parler au baron, pour une petite semaine on va dire, mais surtout en rentrant ça aurait été bien, pour hier aller voir l'inquisiteur, pour lui parler du procès, et ça aurait pu avancer. Bref, de toute façon, c'est pas la première ni la dernière fois dans ce jeu qu'on fait des trucs avec un ou plusieurs cycles de retard. Commercer. Voilà, je prends tout ça. Ça ne m'enlève même pas ma pièce d'or. Parce que je prendrais pas un livre, du coup.
Oui, je peux lui vendre les livres. Je suppose que les beaux livres, pas les livres dégueulasses que je fais avec ça. Je vais prendre le bleu parce que j'ai envie que ça avance, quoi. J'ai envie que ça avance et du coup on va utiliser le bleu pour pouvoir se débloquer. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut débloquer? Plein de trucs. Déjà la forge. Non. Avant la forge, je veux d'abord voir les réseaux de lanternes, tout ça. Je n'ai pas vu. Puis comme ça me donnera une bonne surprise pour la prochaine fois. Je pourrais dire, oh, j'ai plein de bleus. Je sais même plus comment je les ai eus. C'est dommage. Autrement, je peux mettre... Je pourrais mettre un zombie à faire du bleu en boucle. Enfin, faire des bouquins de comme ça en boucle et espérer tomber sur du bleu un peu régulièrement. En soi, c'est pas déconnant. Après, ce qui est déconnant, c'est que j'ai pas assez de zombies ni assez de fois pour avoir des zombies. D'ailleurs, ça, la presse. Dû passer par le raisin d'ailleurs. Voilà, voilà. Et voilà. Ici. J'ai deux dorés. Je pose ça. Ça faut que je le pose là-haut. Mais du coup là, je peux faire des prospectus plus facilement. Là, il veut pas que j'en pose plus de deux. Mais logiquement, l'encre, c'est comme le papier. C'est comme l'encre et stylo, ça. Ça se reproduit plus ou moins. Bon, allez, on va. La dernière fois, on a déconné, on a fait notre serment super tard. Là, on le fait direct. Non, ça ne marche pas. C'est bien ce que je me disais. On va quand même prendre cette prière là, au pif. Enfin, pas vraiment au pif, mais... Vu que je m'en fiche un peu. Des cultures. On va peut-être poser le papier mâché. Voilà. Oui. Non. Je me souviens maintenant. Je peux faire une épée en acier. Enfin, il me faut des pièces d'acier. C'est bien ce qui me semblait. Et l'armure, elle est où? L'armure en acier. Débloquer en même temps. C'est où les armes? C'est ici. Ou alors faut que j'ai l'établi à bois 2. Je ne l'ai pas encore. L'établi arts martiaux. L'établi à bois 2. Construction, d'accord.
Construction et forgeage sont séparés. J'avais un peu zappé ça, c'est sûrement pour ça que je m'embrouille quelquefois aussi. Établi à boîte 2. C'est très intéressant de prendre ça du coup. Truc du métier. Tu sais quoi? Tu vas aller au sous-sol. Tu vas me faire des bouquins. Tant que je suis pas écrivain moi-même, je pense que des bouquins aléatoires, c'est pas mal. Fabriquer des livres aléatoires, parce que les histoires, oui. C'est parti. Ah, dans 6 ans, à peu près. Pendant que j'y pense, j'aurais peut-être pu faire des caisses pour le commerce, même si j'ai plus spécialement besoin d'argent avec une pièce d'or. Wow. Enfin, j'ai plus ma pièce d'or d'ailleurs. Ouais. 88 pièces d'argent, mais plus de pièces d'or. Oui. Oui. Prions, prions, prions. Superbe sermon, superbe sermon, superbe sermon. Dix. C'est mieux le truc de vert. Le banc d'église confortable, oui, le tissu, je ne sais que l'acheter au marchand. Et je ne vois rien qui peut m'indiquer que je pourrais en avoir moi-même. Les pièces de fer complexes, par contre, je peux les faire bientôt. J'ai eu 75 de pièces de bronze. Wouhou! Réussi à me débarrasser des haches, tout ça. Si, vu que c'est bientôt le jour de du marchand, tu vas pouvoir me faire quelques caisses. Alors, caisse de légumes, ouais. Ça m'évitera de gaspiller tous mes clous. Ah, c'est des dos qui me manquent, très bien. Je sais pas si ça marche, puisque je ne vois pas si ça fonctionne. Moi-même, ça ne demande pas grand-chose. On pose les dos. Je me dis en fait, les champignons et les baies, je ne peux pas les poser, d'accord. Je peux essayer, mais... Voilà. Par contre, de faire des brochettes. Pas de champignons. Pas de champignons, il m'en manque quelques-uns. Et j'avais rien à faire avec les baies à part les gâteaux. Tant pis.
Tant pis. J'ai même pas besoin de préparer la parcelle. Alors, je vais poser les déchets ici, les déchets agricoles. Je pourrais peut-être presque en prendre pour aller faire en vendre, tellement j'en ai, à cause de lui là, qui m'en produit des tonnes et des tonnes. Toi, t'as fini. Au jour de la femme d'abord. T'aider, ça ira plus vite. Quoique, s'il y en avait eu 4, ça aurait été bien. Hop. Hop. 45. Enfin, 5 même, plutôt. Comme ça, j'en fais 2 pendant qu'il en fait qu'une. Je peux presser le... faire la presse. Par contre, j'ai même pas regardé quelle couleur était le vin que j'avais réussi à récupérer. Alors, bronze, argent, j'en ai 2 et or, j'en ai 3. De vin rouge en bronze, ça veut dire que le vin qui était censé être argent, il a échoué. Mademoiselle Charme, je m'en fiche, pas besoin. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Thank you.
fille que je l'ai faite. Je vais laisser mon moi du futur gérer entre le support de montage. Ah oui, si, si, je voulais les lanternes. Comment on fait des lanternes et tout? Ça doit être au cimetière, je sais pas, je pense. Il veut pas que je passe par au-dessus. Ah oui, je voulais mettre des cadavres à m'occuper. Au moins pour remplir maintenant, ça devient utile. Non, ici, oui. Lieu de sépulture, columbarium, pas de fer. Non? C'est où alors les lanternes? Le réseau de lanternes. Tu vas pas me dire que les lanternes c'est à faire au... à la mine en haut à gauche? À la mine de zombies? Ce serait dommage. Non, je vais pas mettre des carottes parce que prochain jour, marchand, à la limite j'ai juste à récupérer. Mais après il y a serpent. Voilà, la prochaine semaine devrait être un peu remplie quand même. Donc je vais pas mettre des carottes tout de suite pour l'âne. Je crois, voire du papier en pot de porc, je sais pas, non, du papier, si je peux faire du vrai papier c'est mieux. Voilà, et je vais aller me coucher pour finir cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo d'une heure 17 apparemment pour le moment, donc 1h18 pour le moment, le temps que je finisse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à la liker, à dire à votre voisin ou à votre ami que je fais des vidéos sur ce jeu que vous trouvez génial, le jeu et les vidéos, enfin et moi quoi, bref, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous si ça vous intéresse, et je vous dis à la prochaine.